Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme quotidien Midi au Caire. Et comme chaque vendredi, nous allons vous présenter les nouvelles les plus importantes qui ont eu lieu durant la semaine passée. It's 12 o'clock. Et commençons par l'État qui tient à moderniser et à redonner au vieux Caire sa splendeur et non seulement à construire la nouvelle capitale administrative, c'est ce qu'a affirmé le Premier ministre, Dr Mustapha Medbouli. Monsieur Medbouli a donné ses directives aux ministères et autorités concernées pour coordonner leurs efforts afin d'organiser une cérémonie d'inauguration du grand musée qui soit impressionnante et qui reflète la civilisation et l'histoire d'Égypte antique, ajoutant que cette cérémonie serait une occasion de promouvoir le tourisme en Égypte. Étaient présents à la réunion les ministres des Antiquités, de la Culture, du Tourisme, le gouverneur de Gizeh et des responsables de différentes autorités concernées. Le président Abdel Fattah el-Sissi a promulgué la semaine passée le décret numéro 411-2019 portant sur la formation d'un conseil d'administration de l'agence spatiale égyptienne pour 2 ans sous la présidence du Premier ministre. Le conseil comprend les ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des TIC, technologies de l'information et des communications, les présidents exécutifs de l'agence, de l'académie, de la recherche scientifique, le vice-président du conseil d'État, les représentants des ministères de la Défense, Ahmed Roujdi, de l'Intérieur, Nasser Mohamed, des Finances, Ahmed Mohamed, et de la production militaire, Ahmed Abdelnazir. Le président a également promulgué le décret numéro 410 de l'année 2019 portant sur la nomination de Mohamed Afifi Taha Ahmed El-Koussi au poste du directeur général de l'Agence spatiale égyptienne au rang de ministre pour 1 an. Ce décret est publié au journal officiel. Le consul général d'Égypte à Houston, au Texas, Khaled Rez, a mis l'accent sur l'importance de renforcer la coopération bilatérale judiciaire entre les deux parties, notamment en ce qui concerne l'état civil et l'immigration. Monsieur Rez a passé en revue lors de son entretien avec la juge en chef Lina Hidalgo du comité de Harris à Houston, les services fournis par le consulat à Houston aux citoyens égyptiens ainsi qu'aux Américains, soulignant que le nombre de voyageurs américains se rendant en Égypte pour le tourisme où les investissements avaient augmenté. Le président Abdel Fattah el-Sissi a affirmé son aspiration à l'adoption par la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD-7, de résultats tangibles et applicables pour relancer la coopération entre le Japon et les pays de l'Union africaine. Dans son allocution devant la séance inaugurale de la 7e conférence de la TICAD, dont les travaux ont démarré à la ville japonaise Yokohama, M. el-Sissi a remercié le Premier ministre japonais Shinzo Abe et le peuple japonais pour leur hospitalité. Les détails dans ce commentaire signé Marwa Arafa et Ayeshel. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a affirmé son aspiration à l'adoption par la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD-7, de résultats tangibles et applicables pour relancer la coopération entre le Japon et les pays de l'Union africaine. Dans son allocution devant la séance inaugurale de la 7e conférence de la TICAD, dont les travaux ont démarré à la ville japonaise de Yokohama, M. el-Sissi a remercié le Premier ministre japonais Shinzo Abe et le peuple japonais pour leur hospitalité et les grands efforts déployés pour bien organiser cette édition de la conférence, remerciant de même les autres partenaires organisateurs pour leurs efforts assidus en vue de raffermir le partenariat entre l'Afrique et le géant asiatique.
Le chef de l'État a prôné l'intensification de la coopération avec le Japon en matière de science et de développement pour profiter des potentialités naturelles du continent noir et ses ressources énergétiques diversifiées, et ce par le soutien des projets d'énergie renouvelable et propre, de manière à alléger l'impact du phénomène du changement climatique, invitant au nom de l'Afrique les institutions mondiales du secteur privé et les sociétés multinationales à y investir. Il a de même appelé les institutions du financement international, continental et régional à financer les projets du développement en Afrique, assurer les garanties financières pour étayer les potentialités du continent, de manière à soutenir le commerce et stimuler l'investissement. Le président s'est félicité du soutien apporté par l'ATICAD au plan ambitieux visant à faire taire les fusils partout en Afrique d'ici 2020, soulignant que le chemin est encore long pour tourner la page douloureuse des conflits qui ont sapé les espoirs de développement et qui ont fourni un environnement fertile à l'extrémisme et au terrorisme. Le ministère de la Planification, du Suivi et de la Réforme administrative a révélé que des investissements publics estimés à 5,23 milliards de livres sont orientés vers le développement des gouvernorats du Sud et du Nord du Sinaï en 2019-2020. Notons que le total des investissements consacrés aux gouvernorats du Nord Sinaï se chiffrait à près de 2,85 milliards de livres égyptiennes et celui du gouvernorat du Sud Sinaï est de 2,38 milliards de livres égyptiennes. Le point avec Marwa Arafa et Ayachel. Le ministère de la Planification, du Suivi et de la Réforme administrative a révélé que des investissements publics estimés à 5,23 milliards de livres seront orientés vers le développement des gouvernorats du Sud et du Nord du Sinaï en 2019-2020. Notant que le total des investissements consacrés au gouvernorat du Nord Sinaï se chiffrait à près de 2,85 milliards de livres égyptiennes et celui au gouvernorat du Sud Sinaï est de 2,38 milliards de livres égyptiennes. Également, le gouvernement a accordé une priorité majeure au développement de la péninsule du Sinaï et de la Haute-Égypte dans le cadre d'un programme de développement intégré qui fait partie des objectifs généraux des efforts de développement spatial. En plus, la concentration sur les villages les plus nécessiteux pour réduire la migration vers les zones urbaines. Parmi les plus importants programmes de développement devant être mis en œuvre dans le gouvernorat du Nord Sinaï en 2019-2020 figurent un grand nombre de projets dans les secteurs de l'enseignement de l'eau, de l'agriculture et de l'irrigation, du transport et du stockage, des activités immobilières, de la construction, plus un certain nombre de projets destinés à être établis dans le sud du Sinaï, dans les domaines de l'agriculture, de l'irrigation, du transport et de l'enseignement. En ce qui concerne la Haute-Égypte, le ministère a souligné que le plan priorisait le développement des gouvernorats de Haute-Égypte afin de parvenir à un développement réel et tangible en faveur des citoyens et d'améliorer la qualité de leur vie et de leur fournir une vie décente, précisant que des investissements publics avaient été consacrés au développement des gouvernorats de la Haute-Égypte, estimés à 31,2 milliards de livres en 2019-2020, soit une hausse de 22% par rapport à l'année 2018-2019. Le Premier ministre Mostafa Medbouli a assisté lundi dernier à la cérémonie de signature d'un accord entre les ministères de l'approvisionnement et du logement d'une part et un géant groupe émirati d'autre part. Selon cet accord, le groupe émirati investira 500 millions de dollars dans la construction de 4 hypermarchés dans les villes du Nouveau Caire, d'Octobre et de l'Obour. Ont assisté à la signature de l'accord le ministre de l'approvisionnement, Ali El-Meselhi, et le ministre du logement, Asim El-Ghazar. L'accord a été signé par Ibrahim Achmewi, côté ministère de l'approvisionnement, Tarek El-Sebaya, côté ministère du Logement, et Youssef Ali, PDG du groupe émirati. Les nouveaux projets que le groupe envisage de mettre en œuvre en Égypte interviennent dans le cadre des directives données par le président Abdel Fattah el-Sisi pour contrôler les marchés et fournir les produits alimentaires à des prix réduits, a déclaré le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur.
Le Premier ministre Mostafa Madbouly examine un plan de développement de la zone de la mosquée d'El Hussein au Caire de manière à aller de pair avec sa position religieuse, historique et archéologique ainsi que de sa périphérie. Ceci est intervenu lors d'une réunion en présence notamment du ministre des Waqf, Mohamed Mokhtar Goma, du général Mahmoud Charaoui, ministre du développement local, du général Khaled Abdelhaïl, gouverneur du Caire et du général Ibrahim El-Far, président du génie militaire. Monsieur Medbouli a souligné que le développement de cette zone intervient dans le cadre des directives du président Abdel Fattah Sisi, faisant état de la présence d'une direction politique consciente de l'importance du développement du Caire historique pour redorer le blason du Caire et lui redonner sa position en tant que l'une des plus importantes villes islamiques du monde. Située à proximité du fameux bazar Khan el-Khalili au Caire, la mosquée El-Hussein, construite en 1154, est considérée comme l'un des sites islamiques les plus sacrés en Égypte. Le projet de barrage de Rufiji en Tanzanie est l'un des plus importants projets d'infrastructure égyptien en Afrique. C'est ce qu'a déclaré la semaine passée le ministre adjoint des Affaires étrangères chargé du dossier africain, Aboubakr Hifni. Monsieur Hifni a tenu ses propos lors d'une rencontre avec l'ambassadeur de Tanzanie en Égypte, Issa Slimane Nasser, dont le mandat du Caire vient d'expirer. Il a ajouté que le projet du barrage de Rufiji avait contribué à promouvoir la coopération égypto-tanzanienne. L'État adopte une nouvelle approche pour optimiser l'utilisation de ses ressources et de ses capacités. C'est ce qu'a déclaré la semaine dernière le président de l'autorité du canal de Suez, le lieutenant général Oussama Rabia, lors d'une rencontre avec une délégation de stagiaires du programme spécialisé de formation des prédicateurs et des imams de Waqf et d'Al-Azhar au centre de simulation et de formation maritime dépendant de l'autorité à l'Ismaïlia. Le président de l'autorité du canal de Suez a promis de déployer tout effort possible pour maintenir la position de leader du canal sur la scène internationale et de maximiser ses recettes. L'Égypte tient à renforcer ses relations avec le Togo dans tous les domaines. C'est ce qu'a déclaré la semaine passée le président du Parlement, Ali Abdelhaïl. Monsieur Abdelhaïl a tenu ses propos lors d'une rencontre avec la présidente de l'Assemblée nationale du Togo, Yawa Tsegane, et la délégation qui l'accompagne. La rencontre a porté sur le renforcement des relations entre l'Égypte et le Togo, ainsi que sur la coordination entre les deux pays au sein de forums internationaux. Pour sa part, Madame Tsegane a exprimé ses remerciements pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé depuis son arrivée en Égypte et après avoir donné un bref aperçu de l'Assemblée nationale togolaise et ses différentes commissions et compétences. L'ambassadeur d'Égypte au Mozambique, Hatem El-Alfi, a examiné avec la présidente du Parlement du Mozambique, Véronica Macamo, les voies et les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine parlementaire. La rencontre a porté sur les relations particulières qu'entretiennent les deux pays depuis la guerre d'indépendance du Mozambique et qui ont été couronnées par la visite du président mozambicain Philippe Nyusi au Caire du 21 au 23 juin 2019, a indiqué un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères. Le diplomate égyptien a abordé le développement de la vie parlementaire en Égypte ainsi que les derniers amendements introduits dans la constitution égyptienne. Pour sa part, la présidente du Parlement a salué le niveau élevé des relations bilatérales dans les différents domaines ainsi que le soutien continu de l'Égypte à son pays. Mesdames et messieurs, changeons un peu de sujet avec les nouvelles concernant la santé.
Le directeur général de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, a adressé jeudi les remerciements au président Abdel Fattah Sisi après avoir parrainé l'initiative 100 millions de citoyens sains visant à éradiquer l'hépatite C et les maladies non transmissibles. Dans une conférence de presse à l'issue de son entretien au Caire avec le président Sisi, M. Adhanom a dit avoir examiné avec le chef de l'État les moyens de tirer profit de l'expérience égyptienne pour dispenser des soins de santé dans le continent africain, affirmant avoir constaté l'engagement du gouvernement à poursuivre ses initiatives visant à améliorer la santé du citoyen égyptien. Il a précisé que la visite au Caire avait pour objectif d'annoncer les résultats de l'évaluation de l'OMS des initiatives de santé lancées par l'État égyptien, qualifiant la campagne 100 millions de citoyens de la plus grande sur le plan mondial, sachant qu'elle a permis d'examiner 60% de la population égyptienne, évoquant ainsi la fierté de l'OMS d'accompagner cette campagne qui œuvre au dépistage du virus C, mais aussi des maladies non contagieuses comme le diabète, l'obésité et l'hypertension. Mesdames et messieurs, enchaînons l'édition d'aujourd'hui avec les nouvelles concernant la société et commençons par l'Azhar qui a affirmé sa position constante de l'identité arabe d'Al-Quds et de son engagement historique à soutenir le peuple palestinien. Dans un communiqué publié à l'occasion de l'anniversaire de l'incendie de la mosquée Al-Aqsa commis par un extrémiste israélien, l'Azhar a indiqué qu'il affirmait sa position ferme de l'identité arabe d'Al-Quds, la capitale de l'État palestinien, et son refus de toute tentative visant à modifier l'identité de la ville sainte en ce qui concerne son patrimoine islamique et chrétien. Il a réitéré son engagement historique, littéraire et humanitaire à soutenir le peuple palestinien dans sa lutte contre l'occupation afin de parvenir à une solution juste et d'établir un État palestinien indépendant avec Al-Quds comme capitale. Dar al-Iftah, la maison égyptienne de Al-Iftah, a affirmé que la civilisation moderne et la religion n'étaient pas incompatibles comme le prétendent des courants extrémistes. L'islam ayant été la plus grande source de civilisation et de progrès au fil des siècles. Dar al-Iftah a ajouté dans un graphique animé diffusé sur son site internet que les textes du Coran, de la Sunna, tradition du prophète et la charia nous guidaient vers le fait que la création de la civilisation, l'urbanisation de la terre et la persévérance pour subvenir aux besoins des gens illustraient la volonté divine et étaient des actions pour lesquelles l'homme était récompensé dans ce monde et dans l'au-delà. La civilisation islamique repose sur la construction de l'homme et l'instauration des valeurs de justice, de liberté et de la tolérance, a insisté l'instance égyptienne en charge des avis religieux. Changeons un peu du sujet avec la culture et le tourisme. La CNN promeut le tourisme à destination de la nouvelle ville de l'Alamin. La nouvelle cité de l'Alamin, située dans la côte nord de l'Égypte, jouit du plus beau littoral du monde qui séduit des touristes des quatre coins de la planète, a affirmé la CNN. La CNN diffusera à maintes reprises l'interview accordée par le rappeur américain Ras à l'émission CNN Newsroom, l'une des plus visionnées du monde, accompagnée du mot dièse « My Egypt », lancé par le ministère du Tourisme dans le but de relater des histoires variées sur l'Égypte via l'expérience des touristes. Parlant de son concert le 2 août à la nouvelle ville de l'Alamin, qu'il a choisi pour la beauté du littoral nord-égyptien, Ras s'est vivement réjoui de voir 8000 jeunes assister, ajoutant que l'Égypte était un pays très chaleureux et affectif qu'il visitait pour la première fois et qui ne sera jamais la dernière.
Moment de la détente avec les nouvelles sportives. Et commençons par l'Égypte qui est en tête du classement des Jeux africains au Maroc. La mission sportive égyptienne occupe toujours la première place au tableau des médailles de la 12e édition des Jeux africains qui se tiennent au Maroc du 19 au 31 août. Il s'agit de 77 médailles, 25 en or, 33 en argent, 19 en bronze, pour que l'Afrique du Sud caracole à la deuxième place avec 50 médailles, 23 en or, 15 en argent et 12 en bronze, et le Maroc à la troisième place avec 39 médailles, 13 en or, 11 en argent et 15 en bronze. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle sportive, nous arrivons à la fin de cette émission de notre programme quotidien Midi au Caire. Mais rendez-vous demain avec une autre équipe. Merci, très bonne journée. Au revoir.